voice, cariad its voice, shabarti. In love on guardi, in love on guardi. Cariad its voice, I tariad its voice, shabarti. In love on guardi, in love on guardi. Cariad its voice, cariad its voice, shabarti. In love on guardi, in love on guardi. Cariad its voice, I tariad its voice, shabarti. La Khotnezikin, on est page 92, passage Yud dans la deuxième colonne. D'ailleurs, ma cheminate katzmo mira le tov ke sehara, et deuxième amshir gam elav sikhliot ve tzimtzumim anal. Donc maintenant, pour arriver à tirer ces sikhliot et ces tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il y a des formules que le tzadik il a en stock et il a été les chercher pour en faire de la distribution à grand niveau, mais il y a besoin d'un appel, d'un éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, c'est d'essayer de se déconnecter du mal, même si quelqu'un il arrive à se déconnecter du mal que d'un cheveu, ça suffit. C'est-à-dire qu'un cheveu, et encore un cheveu, et encore un cheveu, et avec ça, il va tresser les cordes qui vont permettre au tzadik de le faire sortir. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, mais chaque fois qu'il fait un mouvement, ça crée une corde, ça fait une corde qui s'allonge jusqu'à que le sadique il peut l'attraper et le faire sortir. Donc il faut pas s'inquiéter si quelqu'un n'arrive pas à faire de grandes choses. Le principal, c'est de faire des choses qui soient le plus vraies possible. Et il n'y a rien de plus vrai que de se déconnecter du mal. C'est ce qu'il y a de plus vrai au monde. De faire du bien, on ne sait pas. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Mais quand on se déconnecte du mal, on a beaucoup plus de chances d'être dans le vrai que quand on fait du bien. Le Rabbeinu l'a dit que lui, son chidouche, c'est que lui, il est sourmera behemet. Lui, il fuit le mal, mais behemet. Vraiment. Il fuit vraiment le mal. Alors maintenant, le tzadik, il a des leçons, il a des enseignements. Ces enseignements-là, ce sont des principes, des concepts qui vont nous réparer complètement notre vie et qui vont nous permettre d'arriver au maximum de ce que quelqu'un peut profiter dans ce monde. C'est-à-dire le tzadik, il a ça prêt, ce sont des principes qui sont prêts. Maintenant, pour qu'il puisse nous les donner, il faut que nous, on ait un rapport quelconque avec lui, et ça, on va l'établir par le fait qu'on est sourd mira, c'est-à-dire on s'éloigne du mal, même comme un cheveu, c'est-à-dire un petit peu, quelqu'un, comme Rabbeinu dit, quelqu'un il mange du porc alors que ça ne coule pas dans sa barbe. C'est-à-dire que même si quelqu'un, il mange, il fait un repas, et dans ce repas, il a des sphécotes, il n'est pas sûr dans la cacheroute de chaque chose, etc. Et il a fermé les yeux sur beaucoup de choses déjà. Alors au moins, une chose, dans tout le repas, une chose, il essaye de dire, bon, ça, je ne le mange pas, c'est tout. Le reste, il est mes soupacs, tout ça, il n'arrive pas. Il y a des pressions familiales, etc. Donc il mange dans une cacheroute qui n'est pas extraordinaire. Mais une chose au moins, que cette chose-là, ça le dérange vraiment, il n'est pas obligé de manger. Même si quelqu'un, il est invité, il est obligé de manger, c'est honteux, c'est les beaux-parents, c'est ça, etc. Mais par exemple, le dessert, il peut dire « j'aime pas » ou « je suis trop plein » ou etc. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Alors ce inyan-là, que quand il le fait avec une kavana, qu'il va être mitnatek dura, c'est-à-dire c'est pour ne pas aller dans le mal complètement, alors ça fabrique des cheveux. Ces cheveux-là, c'est des conduits par lesquels le tzadik il va commencer à l'alimenter en chokhmot, qui sont des chokhmatata, c'est-à-dire des méthodes de tshuva. Ça dit qu'avec ce cheveu que lui, il fait comme effort, comme on a vu que les cheveux, c'était pas vide, ils étaient creux à l'intérieur, et que c'était des conduits pour la chokhma. Donc le tzadik, avec ses cheveux-là, il va pouvoir lui communiquer des notions, que ces notions vont nous permettre de faire tshuva be'emet,
de se rapprocher d'Hachem Behemet. Pas de faire ça ou de faire ci, de faire tchouva Behemet, que quelqu'un il arrive à rentrer dans Vodat Hachem Behemet, vraiment entièrement, avec tout son cœur et son corps et son cerveau et tout ce qu'il peut avoir, il le met là-dedans. Pour ça, il faut faire des petits efforts, mais des petits efforts dans des domaines qui sont vrais. Et les gens qui étaient, je vous ai raconté avec Rav Elyovitch à la Vacheron Aix-les-Bains, alors dans son livre, ils avaient trouvé dans son journal comme ça qu'il écrivait un peu tous les jours. Alors il avait dit aujourd'hui j'ai mangé de la confiture avec de la tahava. Ce matin j'ai mangé de la confiture avec de la tahava. C'est-à-dire c'est des gens qui se surveillaient, ils scannaient tout ce qu'ils faisaient. C'est pas que il y avait pas de ils travaillaient pas en virtuel. Tout était vérifié. Même s'il y avait des problèmes, mais ces problèmes ils en étaient conscients les gens. Principal, c'est ça. Quand on sait que ça, c'est pas comme il faut, ça, c'est pas comme il faut, etc. Alors, on est aux aguets. Le jour où on peut faire un petit effort, Rabbeinu, ce qu'il demande, c'est un petit peu, de faire un petit effort. De réparer tout, on peut pas. Mais un petit effort, on peut faire. Un petit effort sur quelque chose. Quelqu'un, il mange une tablette de chocolat, il la finit pas. Il laisse trois petits morceaux. Il essaye de d'enlever un petit peu. Quelqu'un, Chas Shalom, il tombe, il va écouter une musique qui n'est pas bien, ou il va lire un article qui n'est pas bien, ou il va regarder un film qui n'est pas bien, n'importe quoi. N'importe quoi, qui fait un moment, il coupe, il dit, bon, ça, je fais pas. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ça, je ne le fais pas. Et ça, cet effort qu'il fait, lui, il croit que c'est un rapport de force, mais ce n'est pas un rapport de force. C'est uniquement pour permettre au tzadik de l'alimenter en da'at, c'est-à-dire en prise de conscience de la vérité. Quand il a fait un effort pour ne pas aller au bout de sa consommation, alors ce qu'il a produit avec ça, c'est une possibilité de recevoir un enseignement. Cet enseignement, il va lui faire comprendre que ça, c'est pas bien. Le jour où il va comprendre que ça, c'est pas bien, c'est réglé. Tant qu'il le fait, c'est qu'il n'a pas compris que c'est pas bien. Il est ma'amine que c'est pas bien, mais il n'a pas compris vraiment. Alors nous, en tant que prématurés dans la tchouva, c'est-à-dire en tant que personnes qui sont sorties de là, chacun de là où il est sorti, on a vraiment besoin beaucoup de ça, parce que tous les balais tchouva, ils demandent où est-ce qu'un jour on va arriver à un bonheur, est-ce qu'on va être vraiment bien dans la Torah, etc. Bon, c'est pas la peine qu'il se pose tellement cette question-là, parce qu'il sera déchiré normalement toute sa vie. Parce que c'est un Égyptien, il a été construit en Égypte dans un moule égyptien de Galout, et maintenant il veut passer dans une autre vie qui est la vie de la Torah et la vie d'Eretz Israël, etc. Maintenant, de faire le passage, de faire le voyage, c'est facile, mais de devenir ça, c'est très très difficile. Et c'est, en général, c'est que les gens à qui on transmet, nos enfants ou les gens à qui on a pu transmettre, c'est eux, ils vont arriver beaucoup mieux que nous. Alors, en tant que nous, on est encore sous le moule égyptien, il faut savoir qu'on a une lutte, on a une lutte en permanence. C'est-à-dire, si jamais on s'arrête un petit peu, alors l'Égyptien, il ressort tout de suite. C'est-à-dire, tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qui était pour l'instant, on l'avait mis à la cave, mais ça remonte, les choses, elles remontent. Donc notre attitude, notre milchama, c'est pas une milchama sur tout. Il ne faut pas essayer de prendre des grosses choses en bloc et d'essayer de lutter. Il faut prendre des points, des petits points, et ces petits points, il faut commencer à construire dessus, sur des petites choses. Et il faut savoir que ces petites choses, ce n'est pas un effort qu'on fait uniquement nous et qu'on va avoir un salaire sur cet effort. À part ce côté-là, qui est le côté le plus bas de la chose. Et quand on fait un effort, on permet au tzadik de nous enseigner quelque chose. C'est-à-dire qu'on le sache vraiment. Et une fois qu'on le sait, c'est la chose, elle est réglée. On n'en parle plus. On n'en parle plus. La chose, il y a des gens qui ont des sourires, mais une dame, elle a demandé, elle est en France, etc. Elle porte le foulard, elle a l'impression que tout le monde dans sa famille se moque d'elle. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux porter une perruque, etc. Et elle sent que c'est ça qu'il faut faire, et son mari aussi l'encourage dans ce sens. Mais il y a des moments où c'est très difficile pour elle, parce que les gens, ils attaquent de tous les côtés, etc. C'est difficile. Tiens, Messirut Nefesh. Alors ce Messirut Nefesh, il faut savoir que chaque fois qu'on fait un effort comme ça, ça permet de recevoir un enseignement. Une fois qu'on va avoir reçu l'enseignement,
après c'est terminé. On n'a plus d'épreuve. La chose, elle est acquise. Une fois qu'elle est acquise, ça s'appelle qu'on a du da'at. Im da'at kanita machaserta. Si tu as du da'at, il ne te manque rien. Tu as tout. C'est-à-dire, quand tu sais, tu as tout. Après, faire, ça va couler de soi. C'est rien du tout de faire. Le ikar, c'est d'abord d'avoir compris. Alors lui, le tzaddik, il regarde des cerveaux et des cœurs qui sont brisés par toutes les ta'avot, par toutes les galouyot, par toute la picorsout qu'il y a dans le monde. Et il prend des principes, il les adapte à ces cerveaux qui sont bien, bien abîmés. Il adapte des enseignements, que ces enseignements-là, ils vont permettre à chacun de faire un pas. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un effort de sourmera, c'est tout. Un effort de un petit cheveu, on laisse le mal, un petit peu, encore un petit peu, chaque fois un petit peu. Alors, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, que lui aussi, grâce à cet effort comme un cheveu, il arrive à attirer sur lui des compréhensions et des notions contractées dans lesquelles il peut avoir accès. Il peut avoir accès. C'est comme si on vous donne un cachet, on vous dit, voilà, normalement, ce cachet-là, il contient 10 kilos de carottes, par exemple. Et voilà, c'est un petit cachet. Maintenant, 10 kilos de carottes, tu ne peux pas les manger. Maintenant, ce cachet, tu peux le prendre. Tu as pris le cachet, tu as reçu l'énergie de, comme si tu avais mangé 10 kilos de carottes. Alors, le tzaddik, c'est ça qu'il fabrique sans arrêt, des tzimtzoumim. Des tzimtzoumim de sikhliot et lionim. C'est-à-dire deux choses que toi, tu prends une petite chose. Toi, tu vois, c'est petit. Tu as fait un petit tikkun haklali en chantant. Tu as pris 20 minutes, peut-être. D'habitude, tu sais, 5-6 minutes. Aujourd'hui, tu as pris 20 minutes. Toi, tu ne sais pas, tu as chanté un petit peu, tu l'as fait, etc. Pour toi, c'est petit, c'est quelque chose de concentré, c'est petit. Mais c'est, dans cette petite chose, il y a beaucoup de nianim. Beaucoup de nianim. Maintenant, le tzaddik, il n'a pas que le tikkun haklali, que le chatzot, que l'idbodedut, que le shana. Le tzaddik, il a des milliards de formules. Il a la pharmacie la plus riche qui existe au monde en possibilité de soigner le monde. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il puisse t'administrer cette formule-là qui est concentré, qui est contracté. Comment tu le reçois? Par le fait que toi, tu fais un petit effort. Tu fais un petit effort. Un endroit, tu vois des trucs, tu fais un effort, tu regardes pas, tu allais dire un lashon hara à quelqu'un, tu dis pas, ou bien tu as commencé, au milieu, tu dévies la discussion, tu dis, bon, on a commencé, on va pas terminer, on va pas conclure. Piquant, pour ajouter un peu de... Pour relever la sauce, et qu'à ce moment-là, il se retient, il dit, à ce moment-là, se crée un ange d'une telle intensité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rien parce qu'il s'est retenu de ne pas rajouter dans la conversation. C'est vrai, ça, c'est... Quand on se retient de quelque chose de mal, même un petit effort. Ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Les petits efforts, parce que dans la matière, en général, les petits efforts, ça ne rapporte pas beaucoup. On a besoin de faire des choses complètes. Mais dans Avodat Hashem, on n'a pas besoin de faire des choses qui sont grandes. On a besoin de faire des choses petites, mais vraies. Parce que quand tu fais petit et vrai, ce n'est pas toi après qui continue le travail. Toi, tu as créé juste un lien avec quelqu'un qui va te s'occuper de toi et qui va te sortir de là où tu es, par des enseignements adaptés. Maintenant, quelqu'un il a fait un petit effort, le tzaddik il a une possibilité de communiquer avec lui. À ce moment-là, il lui administre un petit cachet. Que ce petit cachet-là, normalement, pour comprendre ce qu'il y a dans ce cachet, il faut avoir résisté à 200 ou 300 nisyonot, il faut avoir étudié par cœur pendant des milliers d'heures, etc. Alors le tzaddik il dit, tu vois, tout ça, moi je te le mets voilà, dans le ça. Tu prends ça et c'est tout. Et ça va te donner le date de quelqu'un qui a fait Avodat Hashem une vie entière. Tu vas l'avoir en une minute. Et le tzaddik, il a des milliers et des milliers de formules comme ça. Tout le chesaron, il vient de notre côté à nous. C'est pas les médicaments, ils sont là. On ne pourra pas un jour se plaindre, dire à Kadosh Baruch Hu, il nous a laissé. C'est pas vrai, Chas v'Shalom. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas laissé. Non seulement il ne nous a pas laissé, la pharmacie, elle est pleine de médicaments adaptés à chacun. Et en plus, le prix, il a été négocié. C'est-à-dire que le prix, il n'est pas cher du tout.
C'est-à-dire qu'avant, si quelqu'un devait payer un médicament comme ça, par des jeunes et des jeunes et des jeunes et des jeunes qui devaient faire pour comprendre quelque chose, aujourd'hui, quelqu'un le comprend sans jeûner. Il n'a pas besoin de jeûner. Il fait une action, et cette action-là, elle va lui amener tout. C'est ça le rachamim qu'il y a eu. C'est les négociations. C'est-à-dire, il y a eu des négociations entre Hachem, le Beit Din Shel Maala et les Tzadikim. Maintenant, Rabbeinu, c'est le plus grand négociateur qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbeinu l'a négocié avec Akadosh Baruch Hu les tarifs de la tshuva. C'est bradé, on ne peut pas aller plus bas que ça, il n'y a pas. Moins cher que ça, il n'y a pas. Oui. Tous les grands tzadikim, surtout tzadikim sur des olam, c'est des grands négociateurs. Mais Rabbeinu, il est venu pour notre génération de gens très malades. Déjà, si quelqu'un y réfléchit un petit peu, il y a des gens qui sont tristes, qui sont angoissés parce qu'ils ne font pas assez dans la Torah. Ils auraient aimé déjà avoir fait déjà le chasse ou des choses, et être vraiment dans le limou, de savoir des choses, beaucoup de choses, etc. Mais les gens, ils se trompent, parce que dans la génération où on est, on ne peut pas nous demander ça. Nous, on est faibles, et la génération, elle est nulle, en plus. Et nous, on veut coller à des images qui sont des images d'il y a plusieurs siècles. Mais on ne peut pas. C'est déjà, même chez les gens forts, il n'y a plus tellement cette chose-là. Comment quelqu'un faible, malade, qui a été pogrom dans tous les domaines, comment quelqu'un comme ça, il va avoir accès à connaître toute la Torah? Ce n'est pas ça qu'on te demande. On ne te demande pas ça. On a d'autres formules qui sont des formules concentrées parce qu'il y a eu des négociations qui ont été faites. Et maintenant, au lieu que tu dois t'asseoir et manger 10 kilos de carottes et que ça va te rendre malade, ça demande des efforts énormes, tu dis voilà, tu prends le petit cachet et c'est la même chose. Et tu vas acquérir du da'at. Maintenant, chaque brin de da'at, ça te fait sortir du rat. Quand tu as un brin de da'at, tu économises des milliers d'avérotes. Avec un brin de da'at, un tout petit peu de da'at. Rabbeinu nous dit, si quelqu'un il a un cheveu de séchel, il peut lutter contre le monde entier et toutes les ta'avot du monde. Avec un cheveu de séchel, un tout petit brin de séchel, c'est tout. Il peut, toutes les ta'avot du monde, c'est plus rien du tout pour lui. Alors, on voit où on en est, c'est-à-dire dans quelle génération on est. Il n'y a pas de séchel. Les gens, ils n'ont pas de séchel. Ils n'ont pas de moach. Le moach, il ne marche pas, bichlal. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est un moach. Les gens, ils vivent qu'avec des sensations, des impulsions et des trucs. Il n'y a pas de moire, vrai moire, il n'y a pas. Les gens, même pas un brin de moire, il n'y a pas. Vraiment malade. C'est des générations malades. Et le tzaddik, lui, il donne ses médicaments sans arrêt. Tu dis ici, voilà, tu fais un petit effort, tu dois... Pourquoi il demande cet effort? Rabbi Nathan, il dit, même ça, le tzaddik, il peut te donner sans que tu fasses d'effort. Mais le problème, c'est qu'il y a une règle dans le jeu. Il y a des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est Azov ta Azov imo. Quand tu vois ton chaver, que maintenant il est en train de charger, il est en train de charger la mule, il prend des paquets, il met, et c'est dur pour lui. Alors il y a une mitzvah de la Torah, de Azov ta Azov imo, que tu dois l'aider. Si tu passes, tu le vois maintenant en train de charger sa mule ou son âne ou sa charrette, et c'est difficile pour lui, tu dois l'aider. Mais la Torah, elle ne te dit pas que tu dois le faire pour lui. Elle te dit que imo, c'est-à-dire que lui, il fait. Et toi, tu l'aides à faire. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut. Il lève un petit peu. Maintenant, si toi, tu es plus fort, etc., tu vas lever beaucoup. Tu peux même lui faire 80% de son chargement ou 90%. Mais lui, il a fait ce qu'il pouvait. Alors le tzaddik, dans la règle du jeu, il est obligé de respecter ça. Mais Rabbi Nathan, il dit que même dans cette règle du jeu, le tzaddik, il va essayer de tricher, de négocier. Qu'est-ce qui s'appelle qu'il a fait quelque chose? Au maximum. Il dit, attends, voilà, maintenant il avait un semi-remorque à charger. Alors il dit, voilà, combien il y avait? 20 tonnes. Alors il dit, mais voilà, vous n'avez pas vu un moment, j'ai pris un stylo, je l'ai mis sur un carton. Vous n'avez pas vu que j'ai fait ça? Alors ça, le tzaddik, il va négocier avec ça. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à la chose la plus dérisoire. Il va négocier avec ça. Il dit, attends, si c'était quelqu'un qui ne voulait pas et tout, il n'aurait même pas mis de stylo, il n'aurait rien fait. Donc tu vois qu'il a fait ça, quand même. Il a pris ses tefilines avec lui. D'accord, il ne les a pas mis. Mais il les a pris avec lui. Oui ou non? Pourquoi il les a pris avec lui? Il a acheté le chasse.
Il n'a jamais ouvert, c'est vrai, mais il a acheté. Pourquoi il n'a pas acheté un service de pour faire de la fondue, je ne sais pas quoi. Pourquoi il a acheté ça? Il a acheté le chasse. Il a payé, voilà. Il l'a mis chez lui, et tous les jours, il le voit. Et à chaque fois qu'il le voit, il prend un coup sur la tête, il dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'ouvrir. Comme ma femme, elle me dit, avec toi, tu nous facilites le ménage de Pessah, on n'a pas besoin d'ouvrir les livres, on sait qu'il n'y a pas de Hametz dedans. Parce que tu ne les ouvres jamais, donc il n'y a pas de problème, ils sont là dans la sifria. On est tranquille, il n'y a pas besoin de faire de ménage de Pessah. Il dit, mais attends, mais moi je l'ai acheté le livre. Il dit, mais tu l'as pas... Mais pourquoi je l'ai acheté? J'ai pas acheté un magazine, j'ai acheté des livres de Torah. Et quand je l'ai acheté, mais je rêvais que peut-être un jour je vais l'ouvrir. C'était comme ça. Mais ça suffit. Ça suffit pour que le tzaddik il puisse administrer un médicament. Parce qu'après, même s'il n'y a pas de résultat à la fin de sa vie, même s'il n'y a pas de résultat, c'est pas important le résultat. C'est la méthode qui compte, c'est pas le résultat. La bonne méthode, sans résultat, elle est garantie. Tu auras des résultats dans l'Olam Haba. La mauvaise méthode avec des résultats dans l'Olam Hazé, ça vaut rien du tout. Quelqu'un il peut avoir rempli ses poches et il va au Gehinam direct. Et il est plein de Torah, il est plein de Tfila, il est plein de Tzedaka, il est plein de tout et il va au Gehinam. Parce que c'est la méthode qui compte. C'est comment tu l'as fait. C'est pas ce à quoi tu es arrivé. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Est-ce que tu as suivi la méthode ou tu n'as pas suivi la méthode? Par exemple, par rapport à la femme, l'éducation, si on a des enfants, par exemple, qui veulent sortir du monde, je prends un exemple, ils sortent en boîte de nuit, les filles, qui veulent sortir en boîte de nuit le jeudi soir, je dis non, je me fais dire, au moins une heure ne sort pas. On parle à deux personnes qui sont déjà sorties d'Égypte, comme on avait dit la dernière fois, ouais. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses. À eux, on peut leur dire, écoute, fais-moi plaisir. Une heure ne sort pas et comme ils sont sortis d'Égypte, peut-être ils vont pouvoir se sauver quand même des cas de toute cette médecine. On parle de personnes qui ne sont pas sorties d'Égypte, qui sont dans leurs choses, et on leur dit, écoute, fais-moi plaisir, garde-moi une heure, quand moi viens à la maison encore une petite heure dans le temps, après tu sors, qu'est-ce que tu veux. N'importe quel niveau où tu fais que la personne elle est sourmira un petit peu, ce que les gens ne savent pas, c'est que même nous, on ne sait pas ça. Si le Rebbe ne nous apprend pas ça, on ne peut pas savoir. Nous, on croit qu'on a fait un petit effort. Et que cet petit effort-là, par rapport à ce qu'il y a à faire, c'est nul. Tu comprends? Mais ce n'est pas un petit effort que tu as fait. C'est que toi, l'effort que tu as fait, tu as attaché, si tu veux, ton wagon à une locomotive. C'est ça l'effort que tu as fait. Ce n'est pas que maintenant, tu as fait un effort pour faire essayer d'avancer ton wagon. C'est que toi, tout ton effort, ça t'a relié. Si on peut faire un petit effort, quand c'est possible, normalement. Oui. Mais en tant que père, ou par rapport à sa femme, qui veut sortir d'un endroit qui n'est pas caché ou quoi, ou par rapport à un des enfants, on peut leur demander un gros effort. Ça dépend comment tu demandes, ça dépend comment les gens ils reçoivent et ce qu'ils veulent faire. Il y avait au Maroc, il y avait Ravi Baruch Toledano, il était... Lui, il a jamais pu, il voulait toujours faire une yeshiva, mais il n'a jamais pu faire d'yeshiva. Mais il a eu le scout que tous ses enfants, ils ont fait des yeshivas. Tous ses enfants, ils ont construit des yeshivas. Et lui, il priait à Breslev, à Bnei Brak, à Baruch Toledano. Quand il était à Bnei Brak, c'est son endroit de tefila, c'est qu'il priait dans le minyan de Breslev. Et lui, comment il faisait? Il faisait faire tchouva aux gens? Il y avait quelqu'un, il nous a raconté, il voulait ouvrir une piscine, un juif de la communauté, il voulait ouvrir une piscine de Shabbat. Pour que les gens viennent à la piscine de Shabbat. Lui, il a été le voir. Il a été le voir, il lui a pris la main et il lui a dit, je t'en prie, je t'en supplie. Et il a commencé à pleurer. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en prie, je t'en supplie. Et l'autre, il a eu tellement honte, tu vois, il a vu qu'il est venu, qu'il a pleuré comme ça devant lui. Il a eu tellement honte qu'il lui a dit, je te promets, j'ouvre pas la piscine. Comme on a vu un massé, c'est un massé que Yaakov peut vous dire, un monsieur, voilà, il a une femme, je ne sais pas, chacun il a ce qu'il a dans le monde. En tout cas, il a l'air d'avoir une femme très très difficile et il n'en pouvait plus. Et il a décidé de divorcer, de quitter la maison. Alors il a été voir son fils à l'école, il lui a dit, regarde, je viens t'annoncer que je vais partir, tout ça, parce que tu vois bien les disputes, tout ça, c'est plus, je ne peux plus vivre avec maman à la maison, je souffre trop, je ne peux plus. Un petit de 7 ans, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu dois souffrir pour moi.
Pour moi, tu dois souffrir. Et quand il a entendu ça, il a dit, je ne parle plus de la maison, c'est fini. Un petit de 7 ans, il lui a dit, pour moi, tu dois souffrir. Parle plus de toi maintenant que tu souffres. Chaque fois que tu vas souffrir, pense que c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi que tu souffres. C'est pour moi, pour me donner une éducation, parce que j'aime mon père, je veux pas rester sans père. Voilà. Ça s'appelle un tzimtzum. Quand quelqu'un reçoit ça, c'est ce qu'il dit là, ici, sikhliot et tzimtzumim. Quelqu'un reçoit ça, il prend un coup de barre dans la tête, il ne bouge plus toute sa vie, c'est fini. Toute sa vie, il ne bouge plus, le gars. C'est un gros effort. C'est pas un gros effort. Lui, il n'a rien fait du tout. Tu vois bien, il a dû faire quelque chose. Peut-être que l'effort qu'il a dit, que je vais aller dire à mon fils à l'école, je ne vais pas faire à la maison, qu'il n'est pas de la peine ou n'importe quoi, je vais aller lui dire à l'école, peut-être que cet effort qu'il a fait, ça suffit pour qu'il puisse recevoir ce sechel-là qui lui vient. Et ce sechel-là, il s'est installé et il ne bouge plus en lui. La personne a la réaction que c'est fini. Il faut de la patience avec les gens. Quelqu'un qui a envie d'aller dans une boîte de nuit, qu'aller dans un truc, il faut de la patience. Combien de gens en France, ils allaient le mois des loups dans les boîtes de nuit, quand ils finissaient la boîte de nuit, elle fermait, ils allaient à la choule pour faire les slichot. Et ils allaient faire Bessimcha, les slichot, et après ils faisaient la prétfila honnête, c'est tout. Et pourtant, ils étaient restés dans la boîte de nuit toute la nuit. Mais c'est pas ça, il faut pas regarder la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est tout le monde qui fait ça. Est-ce que je dois dire à un enfant, quand ton père dit, écoute, non, c'est pas pour toi. Ou lui dire, ou non, c'est pas pour toi, ma femme ne va pas te balader dans tel endroit. Ou aller suivant cette formule-là, lui dire maintenant, je suis pas là, bah, pour les amis, je peux lui pleurer, je vais suivant ma force à moi, ma nature à moi, que je suis comme je suis aujourd'hui en tant que Baal Tshuva, que j'ai pas la force de faire pleurer quelqu'un ou de pleurer sur moi-même. En tant que parent, tu réponds, je me comporte comme un père qui se comporte, qu'il a des enfants qui sont comme ça. Donc on sait déjà où on est par rapport à nous-mêmes dans notre famille. Et est-ce que je dois aller suivre la façon d'ordonner un petit cheveu, lui dire, écoute, fais-moi plaisir, une heure, reste avec moi, et je ne pourrais pas aller plus loin, parce que je ne sais pas comment expliquer d'aller plus loin, je ne sais pas comment faire quelque chose de mieux, ou ça, ou je sais la chose facile, c'est de dire, non, moi en tant que père, je te dis, non, c'est pas comme ça, et moi en tant que ton mari, je ne vais pas dans cet endroit. Alors maintenant, ou comment on doit travailler, ce cheveu-là, Il faut voir la personne où elle est, est-ce que quand quelqu'un te demande, est-ce qu'il doit aller là-bas, c'est parce que Béhémeth, il ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Alors à ce moment-là, tu peux lui répondre ce qu'il faut faire. Ou bien quelqu'un, il a déjà pris sa décision qu'il va faire ça. Maintenant, si tu rentres contre ça, tu vas commencer à rentrer en lutte, en milchama, tu vas faire une guerre. Et cette guerre-là, elle ne va pas mener de date du tout. Elle ne va pas mener de date. Même si tu l'empêches, mais si tu dis, bon, là-bas, tu ne vas pas là-bas. Ok. Maintenant, comment elle va avoir la réaction après, c'est quoi, de la personne? Parce que tu lui as dit, il ne va pas, il n'a pas été, tu crois que tu as arrangé quelque chose. Tu n'as rien arrangé du tout. Tu n'as rien arrangé, tu n'as rien fait pour l'instant. Mais de toutes les façons, si je ne sais pas arranger, Mais tu sais arranger, chacun il sait arranger. Chaque père de famille, il a malchut, il a ce principe-là, pour sa femme et ses enfants. Chaque juif, il est moshel, ish sorer bebeto, Rabbeinu dit. Torah nous va sur Shavuot, chaque homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné le pouvoir sur sa femme et ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir? Ça veut dire qu'il a les capacités de la faire tshuva et de les amener chez Hachem. Il est capable parce qu'il a les formules pour eux. C'est pas compliqué, pourquoi? Parce que la femme, c'est sa moitié du côté matériel. Donc il domine complètement cette chose-là. Puisque lui, il est dans le spirituel, il est dans le Chochmaïla, elle est dans Chochmatata. Donc de transmettre à sa femme, ce n'est pas difficile. Et ses enfants, chacun de ses enfants, c'est une goutte de son cerveau à lui. C'est un tout petit peu de son cerveau. Donc il les maîtrise aussi complètement. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il ait les méthodes de comment faire. Mais qu'il peut le faire, c'est sûr. Parce que sinon, Hachem, il ne veut pas lui donner un travail qu'il ne peut pas faire. Un cheveu, un petit peu. Bon, si tu vois qu'on ne peut pas obtenir une chose complètement, alors on va dire, voilà, qu'est-ce que... Bon, maintenant, la personne a un bouillonnement, le jeune, il a le sang qui bouillonne, il a des trucs, etc. Alors tu demandes un petit effort.
Comme je connaissais un Breslever, de temps en temps, il buvait de la vodka. Mais avant de boire la vodka, il faisait la bracha. Mais il disait aussi, ça, le Rebbe, il ne veut pas. Qu'on boit de la vodka, le Rebbe, il ne veut pas. Et il buvait. Ce n'est pas qu'il ne buvait pas. Mais dans sa tête, il était clair qu'il ne faut pas le faire. Mais il ne pouvait pas. Alors, au moins, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le dire. Il peut dire, voilà, ça, le Rebbe, il ne veut pas qu'on boit de l'alcool. Eh bien, il a dit, c'est assourd de boire de l'alcool, je ne peux pas boire d'alcool. Mais moi, je ne peux pas, mais je le dis, voilà. Là, ça s'appelle un cheveu. Maintenant, quand tu as affaire à un enfant, il faut que tu vois combien il y a de révoltes. Il y a des enfants qui sont révoltés à 30, à 50, à 80, à 90, à 95. Il faut que tu puisses tu vois où est la révolte. Et selon la révolte, eh bien, tu vas faire de la récupération de ce qui reste. S'il reste 10% de lucidité, eh bien, sur ces 10%, tu vas transmettre quelque chose qui est captable à 10%. Et de là, après, on va construire, on va récupérer le tout. Mais il faut aller doucement. Parce que si tu imposes, tu crois qu'Hachem, il n'aurait pas pu nous imposer de faire tchouva, mais on n'aurait pas fait tchouva. N'importe quel que tu lui imposes, il ne va pas faire tchouva. Doucement. À chaque fois, un petit peu. À chaque fois, un petit peu. La chorma, ce qu'il y a ici, que j'insiste, parce que c'est un chidouche gadol méon, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, c'est que l'effort que tu fais, ce n'est pas un effort stam, que maintenant tu as fait un petit effort. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis, mets de côté 10 shekels par jour, d'accord? Ce n'est pas les 10 shekels par jour qui sont intéressants. C'est que ces 10 shekels, ils vont le connecter sur quelque chose qui peut lui ramener 100 000 shekels par jour. Ces 10 shekels-là. Il lui donne accès à une possibilité de recevoir 100 000 shekels tous les jours. C'est ça, c'est ce petit effort qu'il a fait. Quand tu dis à quelqu'un, fais un petit peu, lui, il croit qu'un petit peu, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il a grandi chez Esav. Chez Esav et Amalek, un petit peu, c'est rien. Mais Rabbi, il dit dans l'écoute morale, même quelqu'un, il prend ses péotes, il fait comme ça, et il s'est fait quelque chose, une flamme éode dans le ciel. Ça peut adoucir de la rigueur dans le monde, ça peut faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça, il a tourné sa paire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça paraît rien, mais c'est pas rien. Il n'y a rien qui est rien. Quand quelqu'un il montre qu'il aime une mitzvah, qu'il fait quelque chose de tout petit, qu'il met un peu de cœur dans quelque chose, c'est pour elle énormément. Maintenant, un enfant, il faut que tu juges le degré de révolte. Et plus tu vas imposer, et plus tu vas le rendre révolté. Et après, il y a des situations qui sont très difficiles à récupérer. C'est pour ça qu'avant d'arriver à la révolte maximum, il faut essayer de récupérer ce qu'il y a. Et travailler sur ce qui reste. Il reste 5%, 10%, 20% d'exploitable. Il faut travailler sur ça. Et après ça, ça va faire qu'on va pouvoir récupérer toute la personne. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire même 5%, il y a un da'at qui va venir. Ce da'at, il va guérir. Il va commencer à se dispatcher dans la personne. Et elle va comprendre toute seule. Elle va avoir des rémazines. Même à l'endroit où elle va. Mais si elle va dans une boîte de nuit, quelqu'un va venir et lui dire, mais moi je croyais que tu étais maintenant en train de faire des télims au Kotel. Je ne savais pas que tu venais ici. Tu comprends? C'est-à-dire, ils vont recevoir des appels de tous les côtés. Parce que la personne, elle est connectée. Comme c'est connecté, on peut lui envoyer par des individus, par des situations, par le sechel, par toutes sortes. Hachem, tout est ouvert pour transmettre. Hachem, il a créé ce monde pour enseigner au monde que Yesh Borei Olam, qu'il y a un Dieu, c'est tout. Tout, c'est de l'enseignement. Mais il faut que tu aies l'accès à cet enseignement. Et comme tu vas rentrer dans des cours dans Internet, et tu payes un truc, après ils te donnent un code, tu crées le code, et tu rentres dans les leçons, tu peux suivre des leçons pour une formation de métier ou n'importe quoi. Maintenant, il faut que tu puisses avoir accès. Mais le monde entier, il est plein d'enseignements. Il n'y a que ça dans le monde. Hachem, il a créé le monde pour ça. Toi, ce que tu dois faire, c'est ne pas utiliser du tout la rigueur. Parce que la rigueur, chaque fois que tu utilises la rigueur, c'est Amalek qui se frotte les mains. Parce que Amalek, c'est son travail. Et ça, Amalek, il ne travaille que avec ça. Nous, il ne faut pas travailler avec la rigueur du tout. Tu vois, ce massé, je vous racontais de Rav Eliyahu Rosen et Rav Levi Yitzhak, quand ils étaient en prison, ils les envoyaient à Kiev pour les tuer. Ils étaient accusés de contre-révolutionnaires, Breslever, contre-révolutionnaires, ils s'appelaient. Rabbeinu, il s'appelait comme ça devant le communisme. C'est un contre-révolutionnaire. Rabbeinu, il était contre le communisme. C'est lui qui a détruit le communisme.
Rabbeinu, il a tué Amalek. Maintenant, ces gens-là qui ont fait de la fatsa de Torah, etc., c'était le plus grand crime qui pouvait se faire sous le communisme. Donc, ils étaient condamnés à mort et ils les ont envoyés pour être exécutés à Kiev. Quand ils ont été pour être exécutés à Kiev, ils arrivent en prison, etc. Et d'ailleurs, c'est la seule nuit ils ont dit qu'ils n'ont pas fait chatzot dans leur vie, tikkun chatzot, parce qu'ils ont dit on va parler chizouk et tout, comme on doit être exécuté, c'est la dernière nuit, on va parler d'ivrei mouna, chizouk, etc. Et au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui vient, les convoque, il leur rend leur passeport, il leur donne de l'argent pour prendre le train, et dit voilà, vous êtes libre. Alors, ils n'ont rien compris du tout. Et bon, bien sûr, ils n'ont pas posé de questions, ils sont partis. Maintenant, celui qui leur a dit ça, c'était un juif. C'était un juif qui avait tout laissé. C'était le gendre d'un Breslaver. Et le Breslaver lui a dit, avant de mourir, son beau-père lui a dit, si une chose te demande, arrange-toi de ta vie à faire une tova et un Breslaver. C'est tout ce que je te demande. Bon, il a demandé un cheveu. Il n'a pas demandé, il lui a pas dit fais Shabbat, mets les tefillin tous les jours, mange kasher, rien. Il lui a dit arrange-toi qu'une fois dans ta vie, tu vas faire une tova, un Breslaver. Il a calculé dans l'individu qu'est-ce que c'était, où je peux planter un clou qui ne va jamais sortir. Alors qu'il lui a planté ça, c'est rentré. Et le gars, maintenant, toute sa vie, il vivait comme un goy. Quand c'est venu cette situation, il a dit ça, c'est ce qu'il m'a dit mon beau-père. C'est maintenant que je vais le faire. Et il l'a fait, et après ils l'ont tué à lui. Et lui, il a été exécuté parce qu'il a fait ça. Mais il a fait son tikkun. Ça a pris le temps que ça lui a pris, ça y est, il a réparé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Quand il l'a vu, il a su, voilà, maintenant, celui-là n'a pas parlé avec lui, c'est un communiste. C'est des gens, ils dénonçaient leurs parents. Ces gens-là, les parents, si jamais ils faisaient les Zmirot Shabbat ou Kiddush et tout, ils allaient les dénoncer. Tellement, ils avaient la Emouna dans le parti. C'est incroyable. Quand nous, on allait à Ouman au début, on voyait, ils nous disaient, les gens, à l'âge de 3 ans, ils leur prenaient les enfants. C'est fini, un enfant, il est avec les parents jusqu'à 3 ans, c'est tout. 3 ans, il rentre dans l'école, dans l'internat communiste. Et il n'y a plus ni papa ni maman. Ton père, c'est ça, c'est la patrie. Ta mère, c'est l'armée. Et truc, voilà, c'est tout. Il n'y a plus ni père ni mère. Ça, c'était une si bas des gens qui t'ont accompagné. Et depuis l'âge de 3 ans, il a endoctriné un maximum. Alors ces gens-là, c'était des juifs qui venaient de familles chassidiques et tout. Mais ils ont complètement été détruits. Voilà maintenant quelqu'un qui a su calculer et lui dire une mitzvah qui lui a rentré. Mais c'est rentré. Ce n'est pas qu'il lui a dit que des choses et des choses et des choses. Il lui a dit une chose. Mais cette chose-là, il savait qu'il pouvait l'attraper. Donc il l'a attrapé, c'est resté mounach chez lui, c'était posé pendant des années. Le jour où c'est venu qu'il a pu le faire, il a réparé sa vie. Ça, c'est un tzimtzoum. Ça s'appelle un tzimtzoum. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à communiquer des choses, que ces choses-là, elles ne vont jamais partir de l'individu. Jamais. Même s'il est comme il est. Tu as mis comme l'acupuncture, tu mets des points, il y a des points, tu places des choses là-bas, ces choses-là ne vont jamais bouger. Est-ce que donc ça suffit de, juste de dire un point, je vois par rapport à moi-même, disons, pour ne pas se manger les nerfs. Alors, disons, si on est marié avec une femme qui va, disons, toute la semaine à la plage mixte, hein, je dis, fais-moi plaisir, au moins le Shabbat ne va pas à la plage mixte. Je peux me rester avec ce point-là, lui demander que ça. Et après être content et pas me bouffer les nerfs, je sais que j'ai fait souvent ce que Rabbeinu m'a demandé. C'est tu as obtenu un point. Et d'être bien par rapport à moi-même, par rapport à ma maison, et d'être bien avec tout le monde. Bien sûr, tu dois être bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller boire l'eau de la mer. Tu vas sécher la mer. Je peux lui demander, après le lendemain, il dit attends, comment peut-il dans 2 jours, 3 jours? Non, ça non. Pour rester comme ça, le résultat, c'est. S'il y a un peu de connexion, ça suffit. Mais maintenant, toi, de l'autre côté, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois mendier. Toi, tu dois aller Kivret Sadikim, tu dois aller au Man, tu dois demander au Rebbe, tu dis Rachmanout, c'est Neshama, c'est la mère de mes enfants, etc. Rachmanout, comment ils vont être mes enfants? Et Rachmanout, regardez, moi je suis sincère, je me suis investi, j'ai mis toute ma vie. Et Rachmanout, d'un autre côté, il faut que tu mendies. Tu comprends? Il faut que tu mendies pour qu'on donne plus de crédit. Avec un tout petit acte, on peut changer la vie de la personne. Un tout petit acte, une toute petite chose. D'un côté, toi, tu dois faire demander un cheveu pour garder le contact avec la Gdoucha dans ce union-là.
et qu'il y ait un flux qui passe, mais d'un autre côté, il faut aller mendier. Il faut travailler de l'autre côté pour obtenir des crédits pour la personne. C'est ça la technique de Avodat Hashem. C'est que toi, tu vois qu'est-ce que la personne elle peut manger maintenant. Combien elle peut manger? Une cuillère à café? Non, une cuillère à café. Maintenant, elle a besoin de manger 5 kilos. Elle ne peut pas manger 5 kilos. Une cuillère à café, ok, ça, tu donnes ça. Maintenant, après, tu vas, tu demandes des rachamim. Tu demandes qu'on ait pitié de la personne. Tu te lèves à Khatsor, tu fais le pidyon, tu en as tzedaka. Il faut travailler. Si tu es conscient, il faut travailler. Tu comprends? Si tu es conscient du problème, il faut travailler. Et si tu ne travailles pas, ça veut dire que tu n'es pas conscient du problème. C'est juste un malaise, c'est un malaise de confort confort social, tu comprends? Mais ce n'est pas un malaise de Neshama. Parce que si c'est un malaise de Neshama, tu vas utiliser, comme on dit, les grands moyens. Tu utilises. On est conscient, mais en étant joyeux. Bien sûr, joyeux. Parce que tu as tout pour travailler. Tu as tout pour travailler. Tu as tous les outils pour réussir. Tu as tout. Rabbeinu te donne tout. Tu as tout. Voilà, il te dit avec un cheveu, je te tire. Tu n'as pas besoin de croire qu'il faut fabriquer des câbles. Un cheveu. Avec un cheveu, je te sors. Ça suffit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, je te sors? Ce cheveu-là, il va lui permettre de t'enseigner des choses. Ça y est, après, tu es réparé. Jusqu'à ce qu'il rentre en lui des asagot elokut. Quelqu'un, il fait un cheveu d'effort, ça suffit pour que le tzaddik il puisse lui faire prendre conscience qu'il est Hachem. Un cheveu, c'est pas beaucoup. Les gens disent, ouais, mais pourquoi alors on dit de faire beaucoup d'efforts, etc. Bien sûr, si quelqu'un il travaille, si quelqu'un il travaille hors connexion, si quelqu'un dans sa voiture, au lieu d'avoir un moteur, il a des pédales, alors il faut qu'il pédale beaucoup pour avancer, ça c'est sûr. Mais si quelqu'un il travaille en connexion, il n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin de très très peu. Très très peu. Je vous avais raconté, voilà, quelqu'un, une femme, elle, à Paris, elle ne pouvait rien faire. Elle a appelé notre ami Dov Cohen, elle lui a dit, regardez, moi j'ai vu ces choses de Torah, ça me plaît beaucoup, tout, mais moi je ne peux rien faire de tout ça. Rien du tout. Moi, je ne peux rien faire. Ni manger kasher, ni shabbat, ni... moi, je ne peux rien faire du tout. Alors, il lui a dit, est-ce que vous pouvez le matin ouvrir la fenêtre, regarder le ciel et dire merci, mon Dieu? Vous pouvez faire ça? Elle dit, ça, je peux faire. Et elle dit, alors, faites-le. Tous les matins, vous ouvrez la fenêtre, vous dites merci, mon Dieu. Quelques mois après, il était assis à la terrasse d'un café, il y a une femme qui passe avec quelqu'un. Elle s'arrête. Lui, il la connaissait par Internet, là, par un truc, là, je ne sais pas comment on appelle... Facebook. Donc, elle l'a reconnue, elle est venue, elle a dit, voilà, c'est M. Cohen, Dov Cohen, voilà, je vous présente mon fiancé. Sachez que quand vous m'avez dit de faire ça, deux ou trois semaines après, j'ai allumé les nérodes de Shabbat. Après, je suis devenu chômeur de Shabbat, j'ai fait tchouva. Voilà mon khatan, on va se marier dans la cacheroute, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Regarder le ciel, de dire merci mon Dieu. Va chez quelqu'un qui est habitué à travailler hors connexion, dis-lui ça, mais tu ne sais rien ça, c'est nul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est nul. Il faut que tu viennes et que tu lui fasses un truc, tu lui dis, tu sais, chaque fois que tu mets Khalel Shabbat, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu sais, chaque fois que tu manges non kasher, ce que ça coûte? Tu sais, quand comme on dit pour les déménageurs au Maroc, il venait, il avait une charrette, et il lui remplissait après sur son dos, il lui mettait des choses. Alors il a rajouté. Alors il dit, on peut rajouter? Il dit, tu peux rajouter ce que tu veux, puisque je ne vais plus me lever de toute façon. Ça c'est la même chose. Tu viens, tu lui dis, tu sais Shabbat, ce que ça coûte un chilul Shabbat? Voilà, ça et ça. Tu sais la shonara, ce que ça coûte? C'est la kashrut. Tu lui remplis, mais de toute façon, moi je ne veux pas me lever, tu peux me rajouter ce que tu veux. Moi je ne vais rien faire du tout, de toute façon. Tu ne lui as pas parlé quelque chose qui rentre dans son cœur. Ça veut dire que tu amènes des choses hors connexion. Tu fais du collage. Tiens, Ben Adam ici, et tu colles quelque chose sur lui et tu veux que ça marche. Qu'à un moment, il y ait une fusion, quelque chose qui va se passer d'extraordinaire, qu'il y a de la Torah qui va rentrer dans son cœur. Comment? Par magie. Pourquoi tu veux que ça rentre dans son cœur? Pour que ça rentre dans son cœur, il faut que tu aies une formule adaptée à lui, créée sur mesure pour lui. Tu ne peux pas lui donner un costume, le costume de la bar mitzvah, il ne va pas se marier avec, il ne peut pas rentrer dedans. Tu comprends? Ça y est, il a eu son costume de bar mitzvah, tu le laisses là-bas. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des formules pour chacun. Il te dit, c'est la formule, tu la trouves par un cheveu. C'est tout. Un cheveu de bien.
Tu dis à quelqu'un, viens, on va faire un tour là. Tu vas Ravari Shapira, la Vachalom. Ravari Shapira, il était venu avec ses bains. Il m'avait dit, tu fais des affiches, tu mets la synagogue, à la yeshiva et tout, dans la communauté. Puis un grand rave qui vient d'Eretz Israël, il va faire une grande dracha à Souda Shlichit, dans le centre Breslev. Alors j'ai fait les affiches, etc. Et Souda Shlichit, il y a beaucoup de monde qui est venu. Ils ont vu grand rave, Ravardier, Shapira, les noms Shapira, c'est connu en Eretz Israël. Beaucoup de gens de la communauté, ils sont venus. Et il a fait une dracha, mais d'une simplicité, vraiment, c'était... J'avais honte. J'ai dit, pourquoi? Maman, comme tu dis, quelqu'un, tu l'as invité à manger, tu lui donnes un verre d'eau et un morceau de truc d'orange. Tu vois. Mais c'était mes balbelotis, je ne comprenais pas. Alors, Motsi Shabbat, j'ai dit, bon, il fallait, bien sûr, c'est un très grand sadique et tout. Quand je parle avec lui, il fallait faire attention, mais... Je veux dire, Ravari, je comprends pas. Mais je comprends pas. D'abord, les affiches. À chaque fois, on est que je vous vois et tout. Vous êtes marqués sur le kavod et tout. Vous pas que quand vous appellera, vous n'importe qui. Quand il venait lui demander une bracha, les gens, ils venaient lui demander une bracha, il les envoyait chez nous. Il dit, cet homme-là, c'est un tzaddik. Si tu fais une bracha, tu vas voir. J'ai jamais vu une bracha aux gens. C'est un tzaddik d'un niveau extraordinaire. Il m'a dit, t'as rien compris du tout. Il dit, moi, je veux une chose. C'est que ces gens-là, ils rentrent dans un endroit qui s'appelle Breslev. Et tout. Nigmar. Je veux rien d'autre. C'est tout. J'ai fini. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. Ils sont rentrés là, il y a une pancarte Breslev. Et tout. Enfin, je veux pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec ça, tu as attaché un fil. Ce fil-là, ce n'est pas un fil de couture, c'est un fil comme un câble Internet, c'est-à-dire qu'il va passer là des millions d'informations. Ça y est, le gars, il s'est connecté. Maintenant, il va recevoir des choses dans sa tête, là où, quand il prie, quand il travaille, quand il parle avec sa femme, ses enfants, etc. Parce que ça y est, il vit en connexion. Alors que si tu veux lui vendre, tu vas venir lui vendre, essayer de le gaver avec des notions... Il ne comprend pas de quoi tu parles. Il est hors connexion, le gars. Il ne comprend pas. Tu lui dis, c'est très grave, ça. Vous avez une famille, des trucs, il faut faire attention. Tout ça, c'est très... Tout est grave, mais il ne sait pas de quoi tu parles. Tu parles un langage virtuel. Il ne sait pas de quoi tu es en train de parler. Rav Chechin Alav HaShalom, il dit, si on voyait Geinam une seconde, tu n'as plus besoin de moussard toute ta vie, c'est fini. Et tu l'as vu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a raconté. Qui te dit, il y a ça, il y a ça. Parce que tout ce qu'on te raconte, c'est du virtuel. Et ta Torah, elle est virtuelle. Ta Yirat Shamayim, elle est virtuelle. Ta Avat Hashem, elle est virtuelle. Tes mitzvot, elles sont virtuelles. Tant que tu n'as pas trouvé une formule adaptée à toi, c'est-à-dire que tu n'as pas créé un contact pour que le tzaddik, il ait l'autorisation de te donner ta formule à toi, alors tu travailles hors connexion. Tout ce que tu fais s'appelle Mazmin Lemeheve. C'est-à-dire que tu te prépares à une existence éventuelle. Mais pour l'instant, tu n'existes pas encore. Et ne croyez pas que dans la Torah, on existe facilement. Ça ne prend pas ni 5 ans, ni 10 ans, ni 15 ans, ni 20 ans. C'est une affaire d'une vie entière pour exister. C'est-à-dire pour maman se connecter, ça demande beaucoup, beaucoup de rachamim pour que quelqu'un se connecte. Tous les gens, Rabbeinu dit, ils singent la Torah. Ils singent. Et il y a des gens qui savent très bien singer. Il y a des gens qui singent mieux qu'un singe. Même un singe, il faut qu'il vienne prendre chez lui. Tu comprends? Il y a des gens qui savent très très bien singer. Mais un Ben Adam, qu'il s'engage Béhémet, c'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. On l'a vu dans la Shoah et tout, quand il y a eu Hachem Ishmor, des moments difficiles. Tu as vu des gens qu'il y avait des types qui singeaient beaucoup, mais quand il s'est passé qu'il fallait mettre la main dans la poche, c'est-à-dire qu'il fallait passer à la caisse, tu as vu qui est-ce qui singeait et qui est-ce qui ne singeait pas. Parce qu'à ce moment-là, ça y est, il n'y a plus de fausse monnaie, il y a du vrai. Tu vas voir si la personne peut donner sa vie, comme ce rave qui était sorti de la Shoah et qui était libre et tout. Il a dit, moi je ne laisse pas ma communauté comme ça mourir sans chizouk et tout. Il est retourné avec eux, il est resté avec eux jusqu'au dernier moment, il est mort avec eux, mais il a été mechazek otam jusqu'au dernier moment. Alors qu'il était libre, il était déjà sorti. Alors il aurait pu se trouver 50 tiroutsim al pitora, chayecha kodmim, etc. Et de les laisser. Il dit que de toute façon ils vont mourir.
Ils vont les tuer. Maïnaf Kamina, évidemment, et pas Maïnaf Kamina. Et à mourir avec de l'aïmouna, comme elle dit Anaël, ils nous ont emmenés à la chambre à gaz, mais on a chanté Adon Olam. Ils nous ont pas cassé. C'est la chambre à gaz, elle est devenue virtuelle. La chambre à gaz, elle était virtuelle. Mais eux, c'était Adon Olam. Hachem, tu as dit comme ça, Hachem, non, c'est ton ratson, on y va, c'est tout. Ça, c'est des gens connectés. Donc le monde, il est à sa place. La chambre à gaz, elle est virtuelle, et la Emouna, elle est vraie. Mais celui qui n'est pas connecté, sa vie, c'est le contraire. Sa vie, c'est le contraire. Tant que tu ne touches pas des domaines qui sont, comme on a dit ici, surtout l'argent, quand tu ne touches pas des choses qui sont, comme on dit, il ne faut pas toucher les domaines sensibles. Il y a des domaines qui sont sensibles, il ne faut pas les toucher. Parce que la personne, elle te dit jusque-là, ça, non, ça, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui, jusqu'où tu peux donner ta vie pour Hachem? Jusqu'où tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner pour l'âme Israël? Qu'est-ce que tu peux donner pour le tzaddik? Qu'est-ce que tu peux donner pour que l'âme Israël y fasse tchouva? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Tu peux donner une petite demi-heure de ton sommeil toutes les nuits, te lever au milieu de faire un pidyon pour l'âme Israël? Tu peux faire ça. Alors si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu as une Torah virtuelle, c'est tout. Tu parles d'Avat Israël, c'est virtuel. C'est pas vrai, tu ne le vis pas. Maintenant, il ne faut pas s'angoisser. C'est pas à peine s'angoisser. C'est juste un constat de. C'est comme si tu es en train de. Tu parles au téléphone toute la journée. Après, tu te rends compte que l'autre, il ne te répond pas. Alors, tu appelles le technicien. Il dit : mais monsieur, il n'y a pas de ligne téléphonique chez vous. Vous ne savez pas qu'il n'y avait pas de ligne. Il dit : pourquoi ? Quand on parle dans ça, ça ne suffit pas. Il dit : non, il faut la ligne. Si vous, ça, ah bon, ben, je ne savais pas, moi. Mais c'est dommage, parce que ça fait 10 ans que je parle et que j'appelle mes parents tous les jours, et je ne comprenais pas qu'ils ne me répondaient pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais c'est normal, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Le gars, il fait. Il dit, mais tu sais tout ce que j'ai fait comme effort. Mais il n'y a pas de connexion. Tu peux faire des efforts tant que tu veux. S'il n'y a pas de connexion, ça ne sert à rien. Tu peux pile-pouler dans l'ordinateur tant que tu veux. Tant que tu travailles hors connexion, il ne se passera rien. Tu peux faire des virements bancaires toute la journée. Si tu travailles hors connexion, tu es tranquille. Jamais ça sortira de ton compte. Il n'y a pas de problème. Dans la Torah, il faut travailler connecté. Connecté, c'est en tout moment des petits efforts dans les domaines sensibles que toi, tu connais. Chacun, il a ses domaines sensibles. C'est-à-dire les choses qui lui sont difficiles pour lui. Dans ce domaine-là, tu as besoin de travailler un cheveu, encore un cheveu, encore un cheveu. Chaque cheveu que tu fais, tu vas recevoir du da'at avec ça. Le tzaddik, il utilise ce canal pour te connecter sur cette chose-là. Et une fois que tu es connecté, tu es sauvé, c'est fini. Regarde, qu'est-ce que c'est des Breslevers. Tu vois, regarde Rav Aryeh Shapira. Tu aurais pu profiter et dire, attends, maintenant j'ai réuni la communauté ici. Je vais leur dire une dracha de Rabbeinu avec des chidushim, d'Ilkoute Moharan. Les tribus, ils connaissaient tout par cœur, tu comprends? Ils connaissaient les Etzraïm par cœur, l'Ilkoute Moharan, tout. C'est un homme, il peut assommer, il pouvait les assommer avec des chidushim. Pas du tout, je te dis, il a parlé, même un gosse bar mitzvah, il aurait fait une dracha un peu plus... Mais pas shoot, vraiment parlé, t'as pas shoot. Et qu'est-ce qu'il voulait? Non, tu sais pas ce que je cherche. T'as rien compris. Oui, mais c'est ça, bien sûr. Bien sûr, c'est ça le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est ça. C'est comme la personne, tu la rends dans le migvé. Qu'est-ce qu'il a fait dans le migvé? Tu dis, mais quoi? Si tu m'as trempé dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, ben, moi, des fois aussi, je vais à la piscine, je vais à la mer et tout. Je dis, non, ça, c'est pas la même chose. Rentre là, tu vas voir. Moi, notre ami Mimoun, chez moi, Mimoun, la vache à l'homme, vendredi, il avait ses habitués, il allait les chercher. Celui-là, il l'emmène au migvé, le vendredi. Parle pas avec les gens. C'est pas un baldibour. C'est pas un baldibour. Il allait des fois, il m'a dit une fois, accompagne-moi. Je lui dis après, je sais pas comment tu fais. Ben, mais t'es chez quelqu'un du sentier là-bas, quelqu'un qui était apparemment très riche, parce qu'on a été chez lui à la maison, c'était un palais, la maison. Et le gars, il commence à sortir en peignoir à 9h30, 10h, il se réveille, café, truc et tout, et nous on attend. 10h, 11h, midi, 1h, et là, après des téléphones, des nianim et tout. Après, il dit, bon, chez moi, c'est bon, on vient, il lui met les tefilines, il fait schéma. Alors, et il part, c'est tout. Et il a attendu 2 ou 3 heures pour lui mettre, mais pas un mot, parle pas. Il fait une petite connexion, c'est tout.
petite acupuncture, une petite aiguille, tac, c'est tout. Viens au migvé, viens accompagner. Ah, mais je viens te chercher. Je viens te chercher. Ah, si tu viens me chercher. Viens te chercher, on va boire un café et tout, et on y va après ou avant. Viens, je viens te chercher. Il amène, parle pas. Trempe-toi là-bas, c'est tout. Ça, c'est des connexions. Tu vois. Et les gens, ils croient que tu vas lui apprendre, mais qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Le type, il est blindé, parce que s'il n'était pas blindé, il aurait appris depuis longtemps qu'il y a Hachem dans l'Olam. Le type, il est blindé, il a des armes de Amalek et de Esav qui lui ont été transmises. Le gars, il a des boucliers, tu peux y aller tant que tu veux en Chochma. Il n'y a pas un truc qui passe. Tu ne peux pas, ça ne sert à rien. Tu peux lui parler, lui dire des enseignements de Chidushim, des Gematriot, tout ce que tu veux, ça ne sert à rien. Il est blindé, le gars. C'est pas par là qu'il faut le prendre. Il faut aussi l'attraper par des choses sur lesquelles il n'a pas du tout de formule de Amalek qui a été créé sur ça. C'est-à-dire Amalek, il n'a pas de fissa. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trempé dans l'eau, dans un truc. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose, rien fait. Voilà ce que j'ai fait. C'est tout. Ah, tu t'as fait ça. Ça y est, tu es rentré en connexion. Et encore une petite connexion, une petite connexion, une petite connexion. Et après, un matin, la personne se lève et dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous ai raconté une jeune fille de Paris qui va souvent à Oman. Avant de faire un de ses voyages à Oman, il y avait un collègue de travail à elle qui ne fait pas la Torah, il ne fait rien du tout. Elle lui a dit, est-ce que tu veux que je fasse un tikkun haklali pour toi à Oman? Voilà, je vais à Oman. Je vais aller là-bas, je vais faire un tikkun haklali pour toi. Est-ce que tu veux que je le fasse? Elle dit, oui, tu me rends, je vais faire shaliar pour toi. Moi, je vais le dire pour toi, tu me donnes l'argent pour la tzedaka, et moi, je fais un tikkun haklali pour toi. Elle lui a dit, d'accord. Lui, pourquoi elle lui a dit d'accord? Parce qu'il ne savait pas où il s'embarquait, le gars. Lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait lui arriver avec ça. Donc, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. S'il savait ce qu'il allait lui arriver, ça aurait été beaucoup plus difficile de le faire. Donc, elle arrive là-bas, à Khatsot. Elle va au Tzion de Rabbeinu, elle fait Tikkun HaKlali pour lui, elle donne la pièce à la Tzedaka, zéro. Au moment où elle fait ça, lui à Paris se réveille en sursaut au milieu de la nuit, il s'assoit sur son lit, il ne peut plus dormir jusqu'au matin. Il reste comme ça, très, très. Hein. C'était mercredi et jeudi, Shabbat, il a été chômeur, son premier Shabbat de sa vie, tout de suite. Histoire sans parole. C'est ça. Alors que tu viens, tu vas lui parler de Shabbat, t'entends pas ce que tu dis. Il a des couches sur le cerveau, des trucs qui sont... C'est comme une machine de ping-pong, mais elle répond automatique. Ils ont mis dans le programme toutes les formules, comment la balle elle peut arriver. Donc ne te fais pas de soucis, jamais tu vas le battre. Parce que toutes les façons d'envoyer la balle, c'est prévu pour l'envoyer. Comme les trucs qu'ils ont fait avec les pas de Barzel, là, on est raide. Si ça marchait à la perfection, il n'y aurait pas de problème. Ce qu'ils envoient, c'est renvoyé automatiquement. Maintenant, Amalek, il nous a mis des choses dans le cerveau. Il nous a mis des fonctionnements, des réflexes qui font qu'on est protégé contre la Gdusha. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Les choses de la Gdusha, ça ne rentre pas. Même si on veut, ça ne rentre pas. Parce qu'on a plus de couches de protection que le Ratson qu'on a. Le Ratson qu'on a n'est pas assez fort. On a besoin de quelque chose qui traverse tout ça, qui perce tout ça. Comme Rabbeinu, quand il a raconté ce poème à Siot. Besoin de choses qui vont à travers tout ça et qui viennent nous toucher à l'intérieur. Et à ce moment-là, on nous tire. C'est pas nous, on ne fait plus rien. On est connecté et on nous tire, c'est fini. Alors on nous amène. Là, c'est à nous de décider qu'on ne veut plus. Mais dès qu'on est connecté, ça y est, on nous tire. Et ça, des massifs comme ça, on peut rencontrer des centaines. Il y a des gens qui ont fait tchouva comme ça, qui ont eu des ishuot comme ça, qui ont avancé comme ça. Beaucoup plus que des gens qui se sont rendus compte par leur réflexion qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils avaient décidé de faire tchouva. Les gens, et des fois, c'est mis de la bêche dans ça. Des fois, la personne, elle comprend quelque chose, mais elle ne sait pas que ce qu'elle comprend, ça ne vient pas de sa réflexion. Ça vient de ça. Ça vient des chout shel chesed. Ça veut dire qu'il y a eu un chout shel chesed. Il y a eu un cheveu de chassadim, de miséricorde, qui s'est connecté à lui. Et des fois, ce n'est même pas de lui que c'est venu. C'est de quelqu'un d'autre. Combien de gens, ils ont fait tchouva, ils râlent qu'ils ont fait tchouva. Parce qu'ils n'aiment pas la tchouva. On leur a fait faire tchouva malgré eux. Ils ne voulaient pas faire tchouva. Si on les avait laissés là où ils étaient et qu'ils avaient pas, s'étaient pas rendus compte de ce qu'ils faisaient dans le monde, ils auraient préféré rester comme ça. Et on les a réveillés malgré eux. Il y a quelqu'un qui a payé, qui les a sortis de prison malgré eux. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rester en prison. Ils avaient là-bas, ils jouaient aux cartes, ils avaient des copains, des trucs. Et ils n'avaient pas envie de sortir.
On les a fait sortir. Quand on les a fait sortir, on les a obligés. Après, ils râlent, comme on est sorti d'Égypte. Et pourtant, même sur eux, le tzadik, il a des rachamim, comme il dit ici, comme on fait des trilat Torah, chez Zéouikar, Gdoulat Tzadik, qui chez Echol et Rapot, Gamachole Agadol Beyoter, quand le tzadik, il peut soigner le plus grand malade. C'est ça ce qui s'appelle un tzadik. Un tzadik, ce n'est pas quelqu'un qui peut donner des enseignements à l'université. Un tzadik, c'est quelqu'un, tu lui donnes les cas sur tous les tzadikim, ils ont fait yéhouch sur eux. Tous les tzadikim de toutes les générations, ils ont dit, ces gens-là, on n'en fera jamais rien. Et lui, il ouvre des écoles que pour ces gens-là. Que pour ces gens-là. Il dit, moi, c'est ça ma spécialité, vous me donnez ces gens-là. Et moi, je vais m'occuper d'eux. Parce que lui, c'est un grand maître. Parce que ces gens-là, ils sont malades, parce qu'il n'y a personne qui les a soignés, c'est tout. Mais ils sont là, ils sont vivants, et ils ont envie d'exister, et ils ont envie de progresser. Il n'y a personne qui a la patience de s'occuper d'eux. Personne qui a la patience. Les gens, là où ils vont, ils les renvoient, ils ne veulent pas d'eux. Et il dit, mais toi, tu ne vois rien, toi, tu n'as pas de tête pour étudier la Torah, toi, tu n'as pas de truc, toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'as pas ça. Alors la personne, elle vagabonde dans sa vie, elle fait n'importe quoi. Mais s'il y a un rave qui vient, qui te dit, voilà, sachez ici, monsieur, chez nous, dans notre école, ça n'existe pas des gens qui ne réussissent pas. Du moment où vous avez été accepté à l'inscription, vous pouvez être tranquille, c'est déjà terminé, l'affaire est déjà terminée. Vous avez réussi. Parce que réussir, c'était s'inscrire. Vous êtes inscrit, Mazal Tov. Attendez, on n'a même pas commencé, on a fini déjà. Tout est fini déjà. Le tout, c'était d'arriver ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, tout est réglé. Vous n'en faites pas. Il dit, mais vous savez, moi je suis un cas. Comme il a dit celui qui est venu là au Tzion de Rabbeinu, il a fait Tikkun HaKlali, et Rav Hoshana, il a dit, Rabbi Nachman, vous avez dit que celui qui vient sur votre tombe et tout, vous allez sortir du Geinam, vous allez faire Tshuva et tout. Alors je vous souhaite bonne chance avec moi. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Parce que le gars, il a aucune avamina, quelqu'un peut lui faire Tshuva. Dans sa tête, il a brûlé tout le monde. Il n'y a personne qui peut lui parler. N'importe qui, il est tellement émette. Je le connais, c'est quelqu'un tellement émette, tellement fin dans son émette, que dès qu'il voit quelqu'un, tout de suite, il voit les trucs qui ne vont pas. Tu sais, là, quand l'autre il lui parle, comment il va l'écouter? Il ne peut pas écouter. Ouais. Déjà, ils ont du rationnel, et ce rationnel, il est recouvert de couches et de couches et de couches. Maintenant, quand on lui parle, il va se dire, ah oui, je veux. Maintenant, quand on le laisse tout seul, il n'arrive plus. Non, mais c'est pas uniquement que tu parles. Il y a des mots qui vont toucher l'intérieur et il y a des mots qui vont pas toucher l'intérieur. Que la personne va continuer à faire ses bêtises, qu'elle revient tout de suite, le ressort il revient tout de suite en arrière. Plus quelqu'un il est malade, plus il a besoin d'un grand médecin. Comment je me vois sham ayn sham. Mais c'est atikun s'chim l'amshir b'me'a omer chez Azmir prinat. Alors ça, on a besoin pendant le Homer, on a besoin de recevoir ces tikkunim par ces séharot, quand on fait les sept fois Sfirat HaOmer, c'est-à-dire qu'on va les masser, rentrer dans ces 49 possibilités de recevoir des enseignements, c'est-à-dire qu'on va recevoir un enseignement sur chaque jour de la Sfirat. Prinat Seharot Kedoshot Elyonot, Shem Rachamim Elyonim Meod Meod. Alors il dit ici, voilà, qu'est-ce que c'est ces cheveux-là? C'est des Rachamim Gdolim Meod. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est des Rachamim Gdolim Meod? Ça veut dire ces cheveux, ces connexions qu'on fait descendre des mondes les plus élevés vers des gens qui sont les plus bas, ça vient des Rachamim Gdolim, que le tzadik qui va, et sans arrêt, il va kej Rachamim. Et s'il n'y a pas 50, et s'il n'y a pas 40, et s'il n'y a pas 30, et s'il n'y a pas 20, et s'il n'y a pas 10, et s'il n'y a pas 1, et s'il n'y a pas moins 10, et s'il n'y a pas moins 100, et s'il n'y a pas moins 1000, sans arrêt. Le tzadik sans arrêt fait ça, il ne s'arrête pas. Et chaque fois qu'il obtient un crédit, ça y est, c'est une ligne qui s'ouvre, une ligne de communication qui s'ouvre. Et la personne, ça y est, elle est prise en charge. Tu peux la laisser après, tu n'as pas besoin. Rav Israël Kardouner, quand il rapprochait quelqu'un de Breslev, il parlait avec lui, etc. Il avait un à Ouman, quand il était à Ouman, etc. Alors quand il sentit que c'était un Breslever, qu'il était, il lui dit, alors comment tu te sens dans Breslev? Et ça y est, Baruch Hashem, je suis bien, j'ai découvert, c'est ça que je voulais, je cherchais Breslev. Et tu lui dis, alors, shalom, parce qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Maintenant, je t'ai montré où c'est, débrouille-toi, ça y est. On a terminé.
il restait pas. Il a amené à l'hôpital, il lui a montré le médecin, il était d'accord, il a signé qu'il se fait soigner. Il dit alors maintenant je te laisse, tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais on ne va pas rester collé. Ça y est, tu te débrouilles. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Il y en a d'autres qui attendent. Après, il va faire un peu plus, un peu moins, une Mishnah, trois Mishnah, une Mishnah par mois, une Mishnah par an, un Passouk par semaine. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que tu en as fait quelqu'un de vivant spirituellement. Tu as sorti sa Neshama de prison. C'est-à-dire, sa Neshama, tu lui as donné maintenant une possibilité de se nourrir. Alors maintenant, il va se nourrir, tu vas voir ça en quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il va arriver à ce qui doit arriver. Parce que tu lui as donné le sort de la vie. C'est ça que tu lui as donné. Ce n'est pas que tu lui as pris des collages, tu lui as collé des choses sur lui. Et le gars, il a des trucs sur lui collés et cousus de partout. Et lui, à l'intérieur, il est malade. Il est malade, il souffre. Il souffre chaque jour encore plus. Et plus il étudie la Torah, plus il souffre de voir comment il n'est pas en accord bichlal avec ce que la Torah attend de lui. Alors, où il va aller avec ça? Il va finir dans la dépression, où il va finir? On a besoin de vie, ça c'est Harot, ces cheveux-là qui sont rachamim, gdolim, meod, dit Rabbi Nathan. Ça, il me ramène bien sûr sur Shavuot. Et j'ai vu que Rav Shmuel Horowitz, il dit que maintenant à Shavuot, on les aurait encore plus que la lumière de Pessah. C'est pas que la lumière du soir du Seder, c'est qu'à Shavuot, il y a la 50e porte. La 50e porte, c'est pas le soir du Seder. Le soir du Seder, tu vois la lumière de la 49e porte, de toutes les 49 portes, que tu vas aller maintenant travailler dans la Sphira. Mais maintenant, la 50e porte, le Mikvé de Shavuot, que c'est Rachamim Gdolim, que Rabbeinu dit dans l'Écouté Moran, dans la Torah Nunvav, que c'est Rachamim Gdolim. Rachamim Gdolim, ça veut dire que tout le monde peut. C'est fini. Qu'il n'y a plus d'exigence, c'est-à-dire l'exigence qu'il y a, elle est nulle par rapport à ce que la personne va obtenir. On ne demande plus rien de la personne. Presque rien. Ça, c'est le Rachamim Gmurim. Ça, c'est le mikvé de Shavuot, que c'est Da'at, Gadol, et à Ouman, je ne sais pas ici, mais à Ouman, en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui colle là-bas quelques tfilotes comme ça sur le mikvé de Shavuot, pour que les gens, quand ils rentrent au mikvé à Shavuot, ils soient conscients de ce qu'ils vont faire. Que c'est le shoresh de tous les mikvé de toute l'année. Et quand quelqu'un va au mikvé le soir de Shavuot, avant le Alot HaShachar, ce zman-là, c'est mamash la 50e porte. C'est le mikvé qui est métaer de tout. Métaer de tout, ça veut dire on rend de Rachamim Gmurim. Rachamim Gmurim. C'est tout. Rachamim Gmurim, c'est comme je dis, ce petit enfant-là, il dit, pour moi, tu dois souffrir, c'est tout. Allez, ça c'est Rachamim Gmurim. C'est-à-dire que la personne, elle fond d'un coup. Une parole, ça y est, elle a fondu plus que si tu lui avais fait 1000 drachotes de sur le Shalom Bayit ou sur ce que tu veux. L'enfant lui a dit une phrase et la personne elle est tombée. Ça c'est Rachamim Gmurim. C'est-à-dire qu'on a eu pitié, mamash, complètement sans tenir compte du tout de l'individu. On le rapproche malgré lui, malgré tout ce qu'il a à l'intérieur, on ne regarde plus ça. C'est ça qu'on est zoché à Shavuot. Shem Rachamim Lyonim Meod Meod, Shem Bemtikib Kol Adinim et Kol Agvurot. Ça c'est adoucir toutes les rigueurs et toutes les dinim, les accusations en echazim et tzimtzumim anal qui sont pris dans les tzimtzumim anal chez Mamshikhim Kolim et Omer qu'on attire pendant tout le Omer. Alors ces dinim, ces gvurot qui sont en echazim dans les tzimtzumim, ça veut dire, c'est ce qu'on a expliqué déjà avant, c'est que du moment où Akadosh Baruch Hu il a créé des tzimtzumim dans le monde, des contractions sous forme matérielle pour nous permettre de le trouver dans des niveaux qui sont bas, c'est ça même qui peut être utilisé pour sortir, pour fausser la chose. Comme on dit, la porte, elle sert à rentrer, mais à sortir aussi. C'est-à-dire, quand Hachem, il a créé la nourriture pour permettre de se connecter à lui à travers la nourriture, de recevoir des nefashot dans le ochel, que quand on fait les brachot, la kashrut, la kavana, tout ce qu'il faut qu'on mange, on reçoit des nefashot mamash, c'est-à-dire que tu alimentes ton âme mamash. Ce manger même, il peut te faire sortir complètement. Le même manger. C'est-à-dire que c'est ça les dinim qui sont nechas dans les tzimtzumim. C'est-à-dire qu'un Amalek qui dit « Ah, voilà, du manger, ça, on ne voit pas les lettres, on ne voit pas le nom d'Hachem quand on mange. » Pour la plupart des gens, ils ne voient pas des lettres dans le manger. Ils voient du manger. Ils voient une tomate, ils voient un concombre, ils voient ça. Il dit « Ah, si maintenant ils ne voient pas qu'il y a Hachem, donc moi je vais m'arranger à lui créer une théorie qui va lui détourner, qui va lui faire faire le contraire complètement de ce qu'Hachem il a voulu dans la Bria. » C'est pour ça que c'est une guerre entre Hachem et Amalek. C'est une guerre entre les deux, parce qu'Amalek, il déforme les solutions et les formules. Du moment où on a créé, comme on dit, les avocats, ou les avocats, c'est des gens que dès qu'il y a une loi qui sort, tout de suite ils s'assoient, comment on va faire pour faire le contraire?
puisque leur métier, c'est de savoir comment arriver à faire contre. Voilà, comment va contourner la loi. Maintenant, Amalek, dès qu'il y a une formule qui vient, et c'est une formule de chesed, Hachem, il nous a donné. Pourquoi Hachem, il a fait qu'on mange? Comme quand on respire, Hachem, il aurait pu faire quand on respire, ça suffit, il n'y a pas besoin de se rien de manger. Hachem, il a fait manger pour des rachamim. Comme ça, tu as la couleur, tu as le goût, tu as tellement de choses dans le manger qui vont te faire rentrer dans ce lien-là. C'est des tzimtzumim de la Elokout pour que tu goûtes quelque chose, et bien mais tu vas goûter Hachem dans ton manger. Ben, ce lien lui-même, Amalek, il va fabriquer de l'art culinaire, il va fabriquer de la grande bouffe ou je ne sais pas quoi, des trucs où les gens ils vont aller manger pour se cacher d'Hachem. Ce que Hachem lui-même il a créé pour nous aider, ils vont utiliser le contraire. Ça s'appelle les dinim et les gvurot qui sont les chazim dans les tzimtzum. Ça veut dire que c'est des dinim et des gvurot qui viennent, qui se prennent sur la formule qui n'est pas claire, qui n'est pas évidente. Le fait que la formule n'est pas évidente, c'est ce qui permet à tous les vendeurs de shaker de détourner le monde. Alors quand quelqu'un maintenant, il est né là-dedans, dans ces gvurot, des tzimtzumim, quand quelqu'un il est né dans ce shaker, il a respiré ce shaker, il a vu ce shaker, dans l'école, dans les parents, partout où il a été, il a trempé là-dedans, c'est très très difficile de le corriger. Parce que c'est une façon de voir, il est programmé comme ça. C'est très très difficile de le changer. Alors le tzaddik, il utilise d'autres formules complètement. Il ne va pas tenir compte de toutes ces choses-là. Il va utiliser d'autres chemins pour rapprocher la personne. Complètement autre. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'utiliser, de se battre contre ces tzimtzumim-là, qui viennent, contre ces clipotes qui viennent sur les tzimtzumim, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut dépasser ça. Il faut rentrer dans la emouna, il faut dépasser cette chose-là. Quand on vient à table et tout, on dit Hachem, moi qu'est-ce que tu veux, quand je veux le manger, moi je suis un animal, je me jette sur le manger, j'aime le manger, mais pas les néfachotes, moi j'aime le manger lui-même, le goût du manger, et je mets de la moutarde, je mets du ketchup et tout, et quand je mange, j'ai un plaisir à manger. Ça c'est moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais maintenant tu peux parler à Hachem, tu peux donner une staka, tu fais une kashrut au tzadikim, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, que tu vas créer des liens, qu'eux, ils vont pouvoir te sortir, même au moment où tu es en train de manger. Une fois, ils ont dit à Rav Yitzhak, ils étaient en train de manger chez lui, et il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est écrit dans l'Esparim de Moussa, que quand on mange, il ne faut pas rapprocher la bouche du manger, il faut rapprocher la cuillère de la bouche. Alors lui, il a regardé, ça l'a fait rigoler, il dit, quand on mange, il faut regarder le ciel. Pas commencer à faire, tu rapproches la truc, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme tu as un cheval devant toi, tu lui rapproches le manger ou tu lui baisses la tête dans le manger, qu'est-ce que ça change? S'il reste un cheval, parce que tu lui as dit baisse la tête pour manger, alors tu en as fait un malard. Parce que tu lui as dit baisse la tête, dis pas ça. Et dis-lui qu'il est Hachem, dis-lui qu'il regarde le ciel quand il mange. Puis devant, avant chaque fois qu'il mange, qu'il regarde le ciel. C'est tout. Avant chaque bouchée, il regarde le ciel. Avec ça, ça suffit. Avec ça, il peut sortir de tout.